Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ses cheveux, avec ce visage? Est-ce qu'un tractopelle vous aurait roulé dessus? Qu'est-ce qu'on fait avec ce visage? Est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose avec le visage aujourd'hui? Ah oui, grâce à la méthode Carmen, c'est incroyable. D'un seul coup, c'est comme si t'avais plein de botox. Plus besoin, mettez du scotch. Bonne journée. J'y arrive pas trop. Alors les filles, tu l'utilises jamais ça? Est-ce que t'es pas une grosse menteuse? Est-ce que t'es pas un peu en train de tromper ton monde? Est-ce que tu crois que, je sais pas, que quand t'es brune, t'es obligée de t'épiler la moustache? C'est pas un problème de blonde, ça c'est sûr. Mais ce sera, j'irais quand même peut-être, d'être un petit peu honnête avec le reste de la population. Hein? Pense-y. Tu la chauffes entre tes deux petites mimines avant de retirer l'opercule, comme ceci. Ah, c'est le moment tant attendu qui fait mal. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je suis pas prête. Je suis jamais prête pour ce moment. Ah! Ça a l'air pas mal. On y va de l'autre côté. À la une, à la deux, à la trois. Ah! Eh, tu vois, ça fait tellement moule que ça m'en fait saigner. Voilà, donc ça a enlevé le gros. J'invite les filles. Petite technique. Mettez un glaçon après avoir fait ça. Voilà. Ça va pas supporter la chaleur ardente de mon corps. Il reste des résidus, évidemment. Des résidus de... De cire. Pour les enlever, si vous n'avez plus, comme c'est mon cas, de petites pochettes qu'il y a vendues à l'intérieur des paquets de cire pour visage, tu utilises par exemple une petite huile d'argan, fait maison, bio. Si tu n'as pas d'huile d'argan, eh ben, tu achètes la beauté bio de Monoprix, pas cher. Voilà. L'huile d'amande douce, ça t'hydrate, ça enlève la cire restante. Ça fait du bien, l'huile d'argan. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Pense à Epilman et tu enlèves les petits poils qui restent. Et ça fait moins mal que si tu avais dû enlever tout à la pince épilée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu pourrais répondre quand je te parle quand même. Je trouve ça impoli. Ah, c'est bon, il n'y a rien. Mais dis pas que j'en ai plus, ça va me rendre gueudin. Titri, phytosanarome. Fais-le le point, mais fais-le le point, tu vas faire le point. Titri, pour la désinfection. Et là, t'es une nouvelle femme? Aujourd'hui, j'ai décidé, man, de faire un look pin-up ghetto fluo. Ça veut rien dire? Attends, tu vas voir. Aujourd'hui, j'ai changé de crème hydratante. J'ai le La Roche-Posay Yalu B5, son intérêt réparateur repulpant. Ça repulpe. C'est ce qu'on cherche? La Roche-Posay, tu vois ou pas? J'ai mis mon intérêt sur mes oeils. La beauté bio de chez Monoprix. Si vous cherchez des jingles, n'hésitez pas. Qui combine nos faux courage 2 en 1. N'utilisez pas d'éponge. Vous avez des mains, elles sont propres, vous les lavez, vous étalez avec ça. Ça suffit d'utiliser des éponges. Ça vous enlève la moitié du produit, t'en perds et t'en rachètes 2 fois plus souvent. Non mais c'est un scandale, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et ensuite, l'anti-cerne champagne de chez Clarence, la touch et numéro 2. Champagne, 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 champagne. Ouh, on voit rien. Lumière de merde. Plein Phare, qui est un magasin à Paris, un magasin de make-up, de maquillage de scène. La marque Ben-Ni. Magie, sourcils rouges. Là, ce que j'ai envie de rajouter, c'est de la paillette. Alors qui au départ n'est pas du tout prédestinée à aller sur le visage. C'est les restes de paillettes d'une carte d'anniversaire qu'on avait achetée pour je sais plus qui. À mon avis, c'est très mauvais pour la santé, ne faites pas comme moi. Mais c'est joyeux. Un sourcil pailleté, c'est joyeux. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Faux paillettes de mille feux. Je vais partir sur un œil totally blue. Bleu, je te veux. Un bleu de toi. Un bleu. Faut arrêter de se forcer quand il n'y a plus de blague qui vient. Chez Kiko, toujours Kiko, bah oui, alors évidemment, je l'ai tellement rincé celui-là, on ne le trouve plus. Alors là, c'est vraiment, j'en ai un peu marre, c'est publicitaire. Vous faites un truc immortel, vous le faites en édition limitée, et après, il n'y en a plus jamais. Bah moi, je suis hyper déçue de ce fonctionnement, tu vois, ça ne va pas du tout avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Vous pourriez quand même continuer à faire les choses qui marchent, hein, bon. Si tu l'as, t'es trop contente, si tu l'as pas, t'es dégueu. Ensuite, il y a un truc très très beau chez Make Up For Ever. C'est le Starlight Powder Nacré Irisé numéro 19. Je prends mon petit pinceau en poils souples.
pour faire le plus. C'est très très beau. Oh, c'est excessivement beau. J'avais oublié d'enregistrer, alors je suis obligée de répéter ce que je dis, c'est insupportable. Voilà, bon, donc là et là, tu vois, plus clair. Perfila d'Oldios, de li plus sul, color azul electrico. Je l'ai acheté une fois que je suis allée à l'Espagne. Ah, ils aiment bien les couleurs, la espagnole, l'espagnol. On va fondre tout ça. C'est trop, trop beau. À l'intérieur de l'œil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du col. C'est magique le col quand même. Voilà. Je propose de rajouter un petit point de lumière à l'intérieur de l'œil, de couleur un peu argentée. À peine. On n'est pas trop gourmand, on y va tranquille. Un tout petit peu. Point de lumière. Pas plus, tu vois ou pas? Oh, c'est incroyable. Oh, c'est beau. Quand même un œil qui est quasi parfait, j'ai envie de dire. Il ne lui manque plus que la Sephora Outrageuse. Outrageuse. Oh, c'est outrageux. Oh, mais quel cils outrageux. Allez, je prends mon petit miroir, c'est quand même beaucoup plus simple. Et vous me voyez en gros. Ce style est outrageux. C'est un style outrageux. Oh oui. On est sur un style tellement outrageux. Que c'en est outrageusement outrageux. Ouh, j'aime faire des failles. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable, la vie est dégueulasse. Elle, elle a des grands cils. Moi, j'en ai pas. Comment je fais? Même avec l'outrageuse cœur, j'y arriverai pas. Il existe des fossiles chez Make Up For Ever, c'est super que tu peux mettre un à un. Avec une colle fait exprès pour. C'est joli. J'ai envie de mettre du bleu en dessous de mon œil en mascara. Et ça tombe bien parce que j'ai un Longitudinal Mascara Extreme bleu à full. Qui est pareil, je l'ai acheté à l'Espagne. Je l'ai acheté à l'Espagne en même temps que celui-ci. Et je suis en train de me rendre compte qu'il est complètement oublié de te faire montrer les poudres d'argent. La poudre d'argent. La poudre d'argent, je l'ai eue où? Qui me l'a donné? Qui me l'a donné? Quelqu'un me l'a donné, mais je ne sais plus qui c'est. Dites-le-moi, mais dites-le-moi qui que vous soyez. Merci, j'adore ce argenté. Un bleu. Oh, il est bleu. Un petit peu pas trop. Moi, je suis pas très cliente en foutre en bas, en général. Oh, non. Il est en de Chico. Sinon, moi, ça va super, le confinement, ça se passe bien, et vous? J'en mets là. J'en mets là, je m'en fous, ok? J'en mets là, j'ai envie de mettre là. Tu veux faire quoi? Oh, j'adore. Alors, c'est qui le plus beau drag queen du quartier? Ouais, c'est moi. Non, c'est pas RuPaul Drag. Ok, on veut absolument mettre le Estée Lauder. C'est ça qu'on veut. Allez, c'est parti pour le 8 à l'infini, les gars. 8 à l'infini et on fond. Ouais, 8 à l'infini. On fond. L'autre côté, les gars. Et tu fonds, et tu fonds, et tu fonds. Oh oui. Ouais, j'ai une tessiture de ouf, je sais. Je fais tout à l'envers. Je me cours sur le hariri. J'ai de petits boutons. Je vais bientôt avoir mes règles. Ça va être le moment le plus cool du mois et de la semaine. Le moment où je veux me suicider. Où la vie est pourrie, ne mérite pas d'être vécue. Non, 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 à quoi bon vivre? Quand tu as des règles, je ne sais pas. Non, 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 non. Voilà. Très inspirée en ce moment. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette bouche? Parce que là, avec ce rose, maintenant, j'allais faire un rouge. Parce que j'ai envie de mettre un petit bandeau pin-up. Je suis dans le doute. J'ai un petit doute. Est-ce que j'essayerais de mettre... Eh, si on essayait. Qu'à essayer, franchement. Non, mais si on n'essaye pas, on sait pas. Moi, j'aime pas quand on sait pas et qu'on dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en sais? T'as essayé? Non. Bon, bah alors essaye.
Le rose que je mets normalement sur mes yeux, sur ma bouche. Je sais pas si ça marche. Mais avant toute chose, les gars, qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Mettre de l'highlighter. Oh oui. Oh oui. Ça illumine de ouf. Oh, je renais. Je suis une nouvelle bronze. Bout du nez. N'hésite pas sur le bout du nez, le nez. Un peu là, un tout petit peu, sinon, c'est jamais si tu brilles vraiment de mille feux ou si tu brilles du sébum. C'est dégoûtant. Dans le petit V, c'est sexy. On va estomper parce qu'on y est balayé hein, avec le bébé cuir. J'en ai bientôt plus. 8 heures, elle dure 8 heures. Pas une de moins, pas une de plus. Non, 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 non. Matte 10 42 42. Bon, tu la prends pas si t'as pas la même couleur de peau que moi, sinon ça sert à rien, tu comprends. Alors, est-ce que je le tente? Je le tente. Faut le tenter. Franchement, faut le tenter. Foutre un petit peu de fond de teint sur ma bûche. Est-ce qu'on rajoute de la paillette? Ah oui. Ah oui. Tu bailles partout. Je crois qu'en termes de maquillage, on est pas mal, les gars. Maintenant, il nous tient qu'à nous de faire une coiffure, pin-up. Comment on fait pour faire tenir un bandana dans ses cheveux? Être une fille est une souffrance à peu près tout le temps, pour tout. Alors je me suis fait un chignon, tout ce qu'il y a de plus classicos. Mais ce n'est pas lui qui va être la star de la soirée. Non, non, non. C'est cet accessoire dont attend deux. Du bandana. Alors là, j'entends déjà intervenir les pros du make-up et les pros du style. Quoi? Elle met un bandana rouge? Un bandana rouge, hein, sérieux? Elle est vraiment en train de mettre un bandana rouge avec du maquillage rose. Ouais, moi je fais ça, ouais. Donc je commence par le mettre derrière. Je le fais remonter. Hop là. Voilà, là ça va. Là c'est parfait même. On raconte quelque chose, on raconte une histoire. Pour pas qu'il s'en aille, parce que c'est chiant. Si tu mets une petite pince comme ça, derrière ton oreille, qui tient et le bandeau et tes cheveux. Comme ça, t'as la paix, tu peux passer une bonne soirée, secouer la tête, le bandana, il s'en va pas. La star des lacs. Alors maintenant, tu me dis, ok, t'es pin-up, mais t'es pas hyper ghetto là tout de suite. Ok, c'est vrai. Petit collier de chien, ça marche toujours. Collier de chien, créole. Faut des créoles. Faut des créoles, mec. Voilà. On va rajouter un chouïa de paillettes. Encore là. À peine, à peine, à peine. Ouh, oui, à peine. Mais tu vois, ça fait toute la différence. Make-up forever, poudre de diamant, diamond powder. Des ongles bleus. Bleu comme mes yeux. Est-ce que c'est important avant de monter sur scène? Même s'il n'y a que vous qui le savez, vous mettre du parfum. Mettez du parfum, c'est juste pour vous. Moi, je me parfume à miracle. De Lancôme. Je me dis des fois, faut laisser en haut un coup libre. On assume le gant, on assume ses deux bracelets, on assume cette ceinture toute simple. Cette petite culotte, on n'est pas que des pin-ups, ça s'appelle. Je ne m'en sépare jamais, elle tient énormément. Et ça, c'est un body à sauce, tout simplement. On est bon, on est bon, on est bon. Et comme on est bon, ben, on y va. Immédiatement, sans aucune forme de vélez. Alors écoutez, je n'étais pas contente de mon maquillage à la caméra. Alors je vais aller rajouter un petit peu de ce rouge à lèvres rose. De la tatoueuse américaine, comment s'appelle-t-elle? Je vais vous la retrouver immédiatement. Kate Von D, évidemment. J'aime beaucoup le packaging. C'est un petit peu glam rock, on adore. Tant qu'à être pin-up du ghetto fluo. Rajoutons un petit truc vert.